Chose promise, chose due. Le one-to-one est là. Tagne condom, fingon tralala. Chez nous, et rien ni rien ne pourra changer. Un sac de ciment à 16 000 francs, ça se passe chez nous. Un camion de gravier à 750 000, oui, c'est chez nous. C'est chez nous. Ah oui, c'est chez nous. Ici au commerce, c'est chez nous. Tu fais l'accident, on te fait que les selfies. C'est chez nous. C'est chez nous. Ah oui. Ici au commerce, c'est chez nous. 5 personnes passent sur la même moto. C'est chez nous. Ah oui, hein. Ici au commerce, c'est chez nous. Tu entends un snack, la chicha peut t'étouffer. C'est chez nous. Ah oui. Je veux que ça continue comme ça. Je prends mon enfant et mes choses. Je fiche le camp. Parce que je ne peux pas vivre la qualité de traumatisme ici sur terre. Je ne peux pas mourir, on ne peut pas me voir encore croire que je suis morte à l'intérieur. Enfin, je ne peux pas supporter ça. Ces hommes veulent nous montrer tout, quoi. Ils veulent. Je ne sais même pas ce qu'on doit faire. Franchement, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Je viens chez toi. Je viens. Dis-le, ça, je sais quoi avec elle. Moi, tu fais quoi chez moi tout le temps? Hein? C'est chez toi? C'est ma maison. C'est chez toi? C'est ma maison. C'est chez mon cousin ou c'est chez toi? Ah bon, hein? Tu t'as conseillé, Jo? Tu vois le prix du papin? Pingon, viens te montrer le Wanda Food. Viens, y. Je peux te faire un truc où tu es la jante et pour te faire le primat. Fais, Pingon, fais. Hey, ah, ta meuf. Tu n'as même pas honte. À ton jeune âge, tu cours derrière la femme des gens. Quelqu'un qui est un grand frère, comme un grand frère pour toi, qui t'amène partout, te donne à boire, tu peux agrager sa femme. Donc, tu as ta chance, hein. Si un seul cheveu comme ça l'a quitté sur ma tête, parce que tu allais raconter n'importe quoi, Fingon. Le grand l'a fait quoi comme ça? Hey. Ah oui, hein. C'est chez nous. Ah oui. C'est chez nous. Le bailleur te chasse sans préavis. C'est chez nous. Ah oui, hein. C'est chez nous. Si ta femme est secrétaire, tant pis pour toi. Prends le chien ici. Je t'ai dit, quand tu veux faire tes besoins, il y a le cabinet là-dedans. Il y a le papier hygiénique là-dedans. Toi, tu manges n'importe comment et tu fais tes bêtises là partout. Tu veux commencer, je vais t'envoyer. Tu sais, je vais t'envoyer. T'envoyer. Mais. Hey. Grand, vraiment, avec tout le respect que tu dois, je ne suis pas moi content de toi. Je ne suis pas fier de toi. Mais comment tu veux faire le Congo ça comme une femme? Fais le Congo ça comme un petit. Toi, tu crois que tu es ici en Belgique ou à Paris où on fait le Congo ça n'importe comment? Toi, tu as vu le Congo ça où? Ta dernière fois, comment je peux voir où il y avait ta femme? Je viens te montrer les preuves. Toi, tu portes encore mon nom pour les mecs en exergue là-bas. Petit, donc c'est pour les histoires comme ça que tu veux me parler du Congo, ça? Toi, tu me comment? Attends, il est venu t'agresser. Il t'assure qu'il est venu jusqu'à chez nous m'agresser. Ah bon? Mais je ne le voyais même pas. Il m'a relaté tous les faits, tous les faits. Petit, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Quand j'ai à parler à quelqu'un, je parle. Petit, tu as peur de Oya? Petit frère, quand il vient, il parle comme ça. Oh, il y a d'accord que sa grande gueule pour bavarder. Il n'est pas fort. Non, c'est pas ça le problème, grand. C'est que enfin, quand il voit qu'il me sacrifie même pour toi, pour rien. Mais attends, petit frère, tu aurais voulu te sacrifier pour quoi? Oh, il me voit partout, il m'insulte. Pas, même pas pour une bière, pour rien. Quand tu es dans tes châtaignes, c'est Oya que tu appelles. Tu donnes des bières. Moi, je sais à quoi. Attends, petit, toi aussi, n'exagère pas. C'est quoi, même avec toi? C'est quoi? Ok, le merci du chien, c'est le caillou. Je te dis prochainement qu'elle veut voir ta femme. Même si on a plus ses seins, même si on l'attaque, même si on tête, on ne te dit plus rien. Oui, applaudis. Vois ma femme. Quitte-moi envoyer sauver ma femme. Ok. Tu es là où elle était mariée, tu es là seulement pour sauver ma femme. Laisse on appui. Mais la femme, elle va te dépasser, tu vas voir. Ça fait quoi? Elle t'a même déjà dépassé. C'est le seau d'eau que je porte. Laisse. Moi-même, je vais encourager. Oui, encourage. Vous êtes là, ici, vos problèmes vous dépassent. Mais vous êtes en train de sauver les femmes déjà. Toi-même, tu es petit pour avoir une femme. Tu es petit pour avoir une femme. N'importe quoi. Quoi, je vais t'envoyer dans un séminaire. Moi, je parle du comme tu ne pas. Je vais t'envoyer au séminaire. N'importe quoi.
Je t'ai dit que tes égaux sont des bergers. Et tu sais, après tout, nous formons un couple, tu vois. Et c'est pas bon de se disputer tout le temps. Avant de commencer n'importe quoi, déjà, je te demande pardon par rapport au comportement désagréable que j'ai eu ces derniers temps. Du fait d'aller raconter à maman ce qui se passe entre nous. Et aussi aller raconter à la femme de Philo. Je suis sincèrement désolée pour tout ça. Mais tu vois, le problème, c'est que je suis ta femme. Et je suis inquiète. Tout ce que je veux, je veux que l'autre revienne dans notre foyer. Je veux que tu me dises ce qui se passe dans ta tête. Pourquoi tu as permis à Philo de se mêler de notre vie? Regarde, à cause de ça, Kevin n'arrive plus à se concentrer à l'école. Il est bouleversé, il est perdu. Tout ça par rapport à aux décisions que tu as prises depuis ces derniers temps. Chérie, je suis ta femme. Et tout ce que je veux le bien de notre mariage. Alors dis-moi ce qu'il y a. Si qu'est-ce que tu me dis, je vais te comprendre. Hein? C'est pas la première fois que nous avons des problèmes et on réussit toujours à se surpasser de ça et aller de l'avant. Dis-moi ce qu'il y a. Ok chérie, tu sais, la vérité c'est le pilier dans un couple. Je suis allé en Europe même fois pour les examens. Tous les examens qu'on m'a fait en Europe était négatif. Sincèrement, je suis stérile. Quoi? Je ne peux pas procréer. Mais attends un peu. Tu as pris ton sperme, tu es allé voir ton docteur, et puis j'ai conçu Kevin. Comment ça tu es stérile? Tu es devenu stérile après Kevin ou avant Kevin? Je veux comprendre. Chérie, le sperme n'était pas le mien. Pardon? Tu dois me dire à qui appartenait ce sperme. C'était le sperme de Fingon. Désolé. Thank you.
près de 15 ans. 15 ans. Tu m'as fait croire que Kevin était notre enfant. Ça, c'est la fin de Bingo. Non, ne me quitte pas, non. S'il te plaît. Mais qu'es-tu réellement? Je lui reviens. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ce vide dans ma vie? Oh mon Dieu! Ok, soyons réalistes. Sois réaliste. Dans 6 mois, Sandra, je me déshabille devant toi. Tu auras le courage de monter sur moi. C'est lui qui m'a forcé, je ne voulais pas. Je m'en fous de tes aïeux. J'emmerde ta tradition. Tu as suivi. Pour rien au monde. Si je dis bien pour rien au monde, je vais me mettre avec ça. Elle m'appelle moi ça. Donc tu veux que moi, je me mette avec quelqu'un qui lave mon sol, qui lave mes habits, que je commissionne quand je veux. Je lave que pour mon cousin. Tu m'appelles type? Tu n'es pas type que tu es quoi? Tu n'es pas type que tu es quoi? Tu n'es pas les bienvenus ici. Ça va chaud. Qui est ton chou? Tu rêves? Tu dégages pas. À ton foutu mari, dégage. Tu ne pars pas. Ah, quitte-le. Si un papa, tu as fait quoi? Reste encore là. Kevin, relève le chien. Laisse ça. Non, reviens, reviens. Quel chien? Quel chien? Quand je vais entrer dans la maison, c'est tous les chiens, si je vais les donner à la tadaï, ils vont tous mourir. Les chiens teignants. Nelly, c'est comment? Il y a quoi? Quand tu arrives étant aussi triste? Chose promise, chose due. Le Wantouan est là. Tagne condom, fingon tralala. Chez nous.